Bonjour, ici René Vincent sur Alta TV dans votre émission Alta Rema. Une fois de plus, nous avons Pasteur Samy avec nous qui va nous parler encore en profondeur sur le thème de la fois passée où il expliquait un peu sur l'apocalypse du temps de la fin. Nous sommes dans la joie de le recevoir encore aujourd'hui. Bonjour, Pasteur Samy. Bonjour, Pasteur René. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Alors, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui nous ont suivis avec beaucoup d'intérêt sur le thème que nous avons exploité la fois passée, l'apocalypse du temps de la fin. Quelle est votre réaction par rapport aux réactions des téléspectateurs? Par rapport aux réactions, il est vrai que pour certains, c'est un thème qui était peut-être nouveau. Pour certains, c'est un thème qu'ils ont déjà entendu, mais le contexte est un peu différent. Tout à fait. Dans ce cas-là, les réactions sont différentes d'après les personnes. Mais pour les jeunes, c'était un peu tout nouveau, parce que les jeunes, beaucoup de jeunes n'ont jamais été exposés à un tel enseignement. Tout à fait. Et aussi parce que quand on parle de l'Apocalypse, souvent on voit la fin. On voit toujours le Nouveau Testament, on voit la fin de la Bible, mais ici, vous avez exploité le livre de Daniel qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui parle aussi presque de la même vision comme Jean l'a eu. Oui, parce que ça, le livre de Daniel, il est intéressant parce qu'il parle de beaucoup de choses dont Jésus a parlé, dont les apôtres ont parlé, mais de façon très résumée et beaucoup plus simple. Et il fait moins peur de lire Daniel qu'il fait peur de lire l'Apocalypse. Tout à fait. C'est pour cela que je pense que c'est bien de bien comprendre Daniel, ça nous aidera à comprendre l'Apocalypse. Alors, mais là, il y a un problème de conscience parce que quand on regarde le monde aujourd'hui, les gens sont occupés à faire leur petite vie. Il y en a qui sont plongés dans le travail, il y en a qui sont plongés dans plusieurs activités. Et c'est comme si les gens ne s'aperçoivent pas que la fin est réellement là. Mais comment est-ce qu'on peut passer à la conscientisation des gens du monde aujourd'hui? Alors, ce qui est très intéressant avec le livre de Daniel, c'est que le livre de Daniel expose beaucoup d'événements qui ont lieu à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et il en parle de façon très simple et très claire. Aujourd'hui, nous vivons dans un moment où il y a beaucoup de changements, beaucoup de surprises, beaucoup d'événements imprévus par les hommes sages et les hommes intelligents. Et ce qui est intéressant, c'est que ces événements ont été bien prédits par Daniel il y a plus de 2600 ans. Et c'est ce qui est intéressant maintenant avec ce livre de Daniel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos médias et on oublie que cela a été bien prophétisé. Alors nous aimerions exploiter cela pour permettre... Mais en attendant, pasteur, est-ce qu'il y a... Lorsqu'on parle, par exemple, du réchauffement planétaire, là, est-ce que... pouvez lier ça avec la vision? Nous pouvons lier les réchauffements, tout ce qui se passe, avec l'accomplissement de la prophétie. Parce que Daniel a démontré qu'il y aura pratiquement quatre sortes de gouvernements à l'échelle mondiale. Et à la fin, Daniel, la dernière partie, le dernier gouvernement, il l'a présenté avec deux faces. Là où il a parlé qu'il était en partie fait en fer, et lorsqu'il se développe vers la fin, il est divisé en deux, et on arrive vers les pieds là-bas, il est encore divisé en plusieurs morceaux. Et cette partie-là explique bien ce qui se fait aujourd'hui. Parce que les parties divisées qu'il y a vers les pieds et vers les jambes, il dit que c'est ce gouvernement maintenant qui va se répandre sur toute la planète. Sur toute la terre, Ils vont faire des alliances. Maintenant, il dit ils vont faire des alliances avec le fils des hommes, avec les hommes. Et c'est à travers cela que l'on trouve les problèmes. Il y a beaucoup d'alliances qui sont faites à travers. Les alliances mélangées avec la haine, les guerres, tout ça. Mais il y a, malgré ça, il y a toujours des alliances selon la prophétie. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a des alliances au niveau de business. Prends par exemple une compagnie de Coca-Cola. Qui n'aime pas Coca-Cola ici? En Arabie Saoudite, on boit le Coca-Cola. En Chine, on prend le Coca-Cola. Là-dedans, on ne voit pas le mal. Mais à travers ces alliances, celui qui achète le Coca-Cola finance une compagnie américaine. Il accepte l'existence de l'autre. Il finance la compagnie américaine. Il y a maintenant des compagnies qui, par exemple, vendent les ordinateurs, les iPads. Prenons par exemple Microsoft, qui est une compagnie américaine.
Elle est logée à Los Angeles, en Californie. Mais les produits de Microsoft sont consommés partout, y compris par les ennemis des Américains. Ils oublient qu'ils sont en alliance avec les Américains. Ils contribuent à l'expansion de l'Américain parce que Microsoft va payer les taxes et les impôts au gouvernement et ça va aider le gouvernement américain. On a des alliances mondiales établies que nous aimons, mais qui en réalité aussi démontrent l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Si je peux encore aller plus loin, nous allons parler de l'éducation. Envoie ton enfant à l'école primaire. Il va apprendre le calcul, il va apprendre les sciences. Mais quand tu regardes les sciences, ça vient d'où? Ça vient des Grecs. Prends les mathématiques. Tous les symboles de maths sont des langages grecs. Prenons l'écriture que nous avons. On appelle cela alphabet. Mais l'alphabet vient d'où? Ça vient du grec qu'on a adapté. Ça est devenu latin et qui est une adaptation du grec. Et aujourd'hui, il y a l'éducation. Tu es en Chine, tu es en Afrique. Tu apprends, tu es au secondaire, tu apprends les mathématiques qui sont les mêmes. C'est ça l'effet d'un gouvernement mondial. C'est-à-dire que nous sommes éduqués de la même façon. Que tu aies appris la chimie, que tu sois en Amérique latine, que tu sois en Australie, au Japon, tu parleras le même langage des chimistes parce que tu as été formé à vivre dans un même royaume. C'est le royaume mondial qui s'est déjà établi sans que les personnes se rendent compte. Parce qu'il y a l'élément le plus fort, c'est qu'on trouve que la prophétie, si elle est établie par Dieu, quelle que soit la volonté de l'homme, si Dieu veut que cela arrive comme ça, l'homme va se retrouver dans la prophétie sans même savoir. Sans le savoir. Voilà. Alors maintenant, qui sont à la base de l'expansion de cette prophétie? Ce sont les pays qui faisaient partie de l'Empire romain, qui est le quatrième empire que Daniel a prophétisé. Tout à fait. Ces pays, lorsqu'ils se sont divisés, ils sont allés dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont colonisé. Ils ont amené leur culture partout. C'est-à-dire qu'ils ont imposé leur culture. Même les plus petits pays comme nous, la Belgique, a colonisé. Ils ont fait des colonies partout. Ils avaient la mentalité de l'Empire romain. Vous prenez l'Angleterre qui venait de l'Europe, qui allait partout pour faire des colonies. Et à travers la colonisation, ils ont établi une culture qui est une culture de l'Empire romain, qui est donc l'accomplissement de la prophétie de Daniel. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'expansion de Babylone. Babylone a envahi le monde entier. Nous sommes devenus des Babyloniens, des Romains, des Grecs, sans le savoir. Alors, la complétie de Daniel, de la prophétie de chapitre 2, c'est vraiment très, très bien accompli. Et quand je lis ça, des fois, j'ai envie, je sens comme je disais, j'allais trembler parce que c'est accompli. Et ce que j'aime qu'on puisse dire de là, c'est que Daniel a dit l'interprétation. 2:45, il dit... L'interprétation, elle est certaine et cette prophétie s'accomplira sûrement. Et elle est accomplie. Et là, c'est très, très important. Regardons les news. Dans les temps passés, on a beaucoup parlé de la Grèce, en faillite et tout ça. Et c'est revenu tellement beaucoup dans les médias. Et moi, je me disais, ça, c'est un appel de Dieu. Regardez, c'est pour nous dire, c'est accompli. Et dans cet empire, il y a 4 gouvernements, dont la Grèce. Et nous avons cela. Et maintenant, tous les éléments qui font Babylone sont en train de bouillonner. Nous voyons l'Europe, l'Amérique, nous voyons l'Asie là-bas, à Moyen-Orient, les Arabes et tous ces pays-là. Mais c'est là qu'est commencé Babylone, avec l'autre partie de Babylone qui est l'Europe, avec la Russie qui est aussi la Babylone, et Babylone de l'Est. Ils sont là en ébullition, c'est vraiment Rome en action. Ils s'entendent, mais ils se battent. Tous, y compris les pays arabes, ils ne sont pas distingués. Ils sont aussi babyloniens. Et ils accomplissent la prophétie de Daniel à l'échelle mondiale. C'est ce qui est très important pour nous, de voir que nous vivons dans un moment où la parole de Dieu, nous pouvons détecter ce qui se fait avec notre vue. Mais lorsque nous regardons dans l'Apocalypse où on fait mention de l'Antichrist, est-ce que dans la révélation de Daniel ici, est-ce qu'il y a une place à l'Antichrist, surtout dans ce qu'on appelle mondialisation-là? Est-ce qu'il y a la place? Comment est-ce que tu peux expliquer la position de l'Antichrist dans la prophétie de Daniel?
Ce qui est intéressant avec Daniel, c'est que quand on arrive vers Daniel, chapitre 9, là maintenant on est au chapitre 2, je voulais juste insister, mais quand on commence à partir de 9, 10, 11, on voit bien, il présente l'Antichrist et il présente même la résurrection des morts. Ouais. Daniel parle de tout, il dit des morts qui vont revenir à la vie et d'un royaume qui sera établi. Alors, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre que le royaume mondial, l'empire mondial dont Daniel a parlé, est déjà là. Parce que beaucoup de gens attendent voir l'Antichrist. L'Antichrist vient après que le système est déjà bien installé. Et là, maintenant, le système est installé. Il reste, je dirais, deux petites choses. C'est que l'Antichrist qui va venir, et puis Daniel avait dit qu'il y avait une pierre qui s'est détachée et qui est venue. Qui s'est propagé, évidemment. Il a frappé l'image. Et puis, c'est cette pierre-là qu'il a présentée comme étant un empire qui va être éternel. Ouais. Alors, nous sommes maintenant à cette étape-là. Ça dit que la prophétie de Daniel, elle est presque totalement accomplie. Il ne reste que la pierre. On dirait à 85-90% comme ça. Parce que la pierre qui doit être établie comme le royaume éternel, c'est celui-là dont nous annonçons le royaume de Dieu. Et on parle de ça. Mais explique-nous un peu le peuple qui vit sur terre. Quel est le message pour quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui prend conscience de ceci, avec tous les éléments que vous avez mentionnés? Comment faire le choix? Qu'est-ce que vous pouvez donner les éléments de choix? La chose la plus importante, la première que j'aimerais mentionner, et j'aimerais bien insister, que chacun de nous regarde autour de lui, qu'il comprenne que la prophétie de Daniel, chapitre 2, à l'échelle mondiale, est accomplie. Je veux bien mentionner l'UNESCO aujourd'hui. Il établit le système par lequel on doit enseigner les étudiants, les enfants, partout à l'échelle mondiale. Et ceux qui établissent cela, c'est l'Europe. C'est-à-dire l'Europe et la Russie y compris. Et eux, ils font partie de ce qu'on appelait Rome, qui était la dernière partie de la prophétie de Daniel. C'est eux qui propagent cette culture. Nous sommes dedans. Maintenant, ce qui importe pour nous, c'est de faire ce qu'il faut pour que nous soyons membres du royaume, Gagnant. Gagnant, c'est comme on l'a dit la fois passée. Le royaume gagnant. Et ça, c'est très important. À l'heure actuelle, c'est vrai, nous annoncions Jésus qui est mort à la croix, qui était ressuscité, mais aussi Jésus qui est à la porte et qui revient très, très bientôt. Parce que toutes les prophéties pour son retour ont presque été totalement accomplies. Ouais. Alors, c'est là maintenant, je disais aux gens, comme on dit en anglais, « we're running out of time ». On n'a plus assez de temps pour nous décider. J'appelle les enfants de Dieu, chacun de nous, à l'urgence. Dieu nous appelle à un message urgent. C'est très urgent, c'est le SOS de Dieu maintenant, pour que nous puissions nous préparer maintenant exclusivement à l'événement du royaume de Dieu. Et nous voyons maintenant, aujourd'hui, on parle du Moyen-Orient, les gens se battent et tout cela. Ça, ce sont des éléments, il n'y aura jamais la paix, on sait cela. Et c'est l'une des stratégies de l'Antichrist aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des guerres pour que lui vienne proposer la paix. Une fausse paix. Que Dieu ne donne pas, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, ça dit qu'il y aura toujours les troubles, et lui voudra qu'il y ait les troubles pour qu'il puisse venir prétendre être celui qui amène la paix. Alors, mais les troubles se fera beaucoup plus entre les Babyloniens, les Romains eux-mêmes. Ceux qui se battent maintenant, que chacun regarde, c'est entre eux. Qui se voient géants aujourd'hui. Géants. Eux, ils aiment dominer, ils aiment s'imposer, que ce soit l'autre partie dont on appelle les Arabes ou les Chiites ou quoi que ce soit les Européens, que ce soit les autres, ils aiment ça. Personne ne va laisser tomber, il y aura toujours la guerre. Mais à nous, réveillons-nous, sachant que la prophétie de Daniel est accomplie. À nous d'être prêts parce que le roi des rois est à la porte. À la porte. Ce qui est bien, c'est que le soutien de Dieu aussi est à la porte. Amen. Donc, on aimerait bien continuer à insister sur ce point pour que chacun de nous le comprenne bien. Et on aimerait continuer avec d'autres parties de la prophétie pour expliquer à chacun de nous afin de bien comprendre ce qui se passe. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, Pasteur Samy. C'était profond et aussi clair. Je pense que l'appel est lancé. C'est un appel pas comme les autres, parce que là, il s'agit de votre vie personnelle. Il s'agit d'une décision capitale. Si vous avez pris des décisions dans votre vie, ça, c'est la meilleure décision, de choisir le royaume gagnant, le royaume de notre Seigneur. C'est très important de faire un choix, parce que ce choix-là
va déterminer ton éternité. C'est très important d'avoir suivi ce message et non seulement de le suivre, mais de le pratiquer. Nous disons merci au pasteur pour le temps que vous nous avez accordé. Et donc, à vous téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Alta Rema sur Alta TV. Merci et au revoir.